Détruire, dit-elle, et c'est pas tout à fait un roman. C'est un texte qui est à lire, à filmer, à jouer, ou à jeter, comme on veut. C'est un livre que je connais très mal. J'ai écrit très vite. Je connais bien mieux mes autres livres que ce livre-là. J'ai eu envie de le connaître mieux. C'est pour ça que je l'ai filmé. Les acteurs sont Catherine Sellers, Nicole Hiss, Michael Lonsdal, Henri Garcin et Daniel Gélin. L'image sera de Jean Panzer. Et à la caméra, il y aura Michel Lebon. On m'a offert une somme très importante, une firme américaine, pour que j'abandonne les droits de ce scénario. Une somme plus importante, finalement, que le coût total du film. Je ne l'ai pas vendu. Je ne me suis pas vendu. On m'a aussi fait des propositions. Lozay, que j'adore, enfin, j'admire énormément Lozay. Il m'a demandé cette histoire et je n'ai pas voulu la lui donner parce qu'il comptait mettre 350 millions dans ce film. Je lui ai demandé comment il ferait pour vraiment y loger 350 millions. J'ai eu peur que l'argent pourrisse le film. J'ai préféré en passer par mon amateurisme. Tu es professeur ? Français, mais à Paris. Tu enseignes rien du tout ? Rien. Tu es un très mauvais professeur ? Mes élèves dorment. Il n'y a plus rien à dire, alors je me tais. Qu'est-ce que tu fais dans cet hôtel ? J'attends ma femme. Et attendant ta femme, qu'est-ce qui t'arrive ? Je pense à une autre que je vois qui est dans cet hôtel. À toi, tu penses ? Hein ? À moi par rapport à Stein. Oui. Tu rencontres Stein, Stein, c'est toi. Oui. Ce que tu seras dans 100 ans, dans 50 ans. Bien, dis-moi, après moi. Quand tu auras perdu le sens de l'honorabilité, de la dignité. Quand tu ne seras plus dans l'amour privé, tu viendras un Stein. À la fin, tu es un peu Stein. Tu le sens, ça ? Oui. Il parle pour toi ? Oui. Tout ce qu'il dit, tu pourrais le dire. Peut-être pas tout, je ne suis peut-être pas encore prêt. Oui, mais je veux dire, tout ce qu'il dit de lui... Oui, puisque c'est applicable à toi. Oui. Je suis seule dans cet hôtel. Oui. C'est toute la première scène. Oui. Je suis seule, moi aussi, dans cet hôtel, vous comprenez ? Je dors mal. Je redoute d'aller dans ma chambre. Je tourne en proie à des pensées exténuantes. Il n'y a que des gens fatigués ici, vous le saviez ? Il n'y a pas d'enfants, ni de chiens, ni de journaux, ni de télévision. C'est pour ça que vous y venez. Non, je viens là comme j'irai ailleurs. Je suis comme vous, je ne suis pas malade, non. J'ai des souvenirs attachés à cet hôtel. J'y ai rencontré une femme. Elle n'est pas revenue. Elle a dû mourir. Entre autres hypothèses, c'est celle que je retiens. Cependant, vous revenez pour la retrouver. Non, non, je ne crois pas. N'allez pas croire qu'il s'agissait d'une... Non, non. Mais elle a retenu mon attention pendant tout un été. Elisabeth, cette femme que tu n'abordes jamais. Tu la surveilles tout le temps et tu ne l'abordes jamais. Oui. Pas un sentiment de malaise, ni d'intérêt, plutôt, que je porte à cette femme-là. D'intérêt, je la surveille, je vois ses réactions, et finissent par ne pas me convenir, finalement.
C'est Stein qui te dit de quoi il s'agit. Je te dis, il s'agissait de moi devant elle. Oui. Tu pourrais dire, il s'agit de moi devant elle. Oui, exactement. Elle soulève les problèmes, si tu veux. Il y a des tas de régions comme ça qui sont découvertes, des régions de toi, hein, qui se mettent à nu, et Stein vient à ce moment-là, oui, dans ta crise. Le personnage, la crise même. Peur est dans un trouble profond à cause de la présence d'Elisabeth Allion. Mais ce trouble, c'est le sien, c'est-à-dire c'est lui devant le phénomène de l'amour de l'être humain. Il aime l'être humain et il est dans le, la contradiction, n'est-ce pas? Et cet être humain, il veut le détruire. On aime les gens et on veut casser tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils aiment, tout ce qu'ils représentent. C'est après son oui que je pars en... En travelling, bon. Ça m'est égal que tu tombes au milieu. Que le travelling se termine au milieu, ça m'est égal. Et je vais jusqu'à... C'est voici Stein dans le travelling arrière. Oui. Voici Stein. Ah non, je crois arriver là. Oui. Tu veux un travelling très lent ou... Ah oui. Qu'est-ce que tu préfères là? Le plus lent possible. Le plus lent possible. Oui. En fait, l'idéal c'est que j'arrive sur... L'idéal c'est que j'arrive sur voici Stein, quoi. Oui. Bon. L'idéal, oui, mais t'en fais pas pour ça. Oui, c'est ça. Après, c'est fini le travelling, tu es bien d'accord? Après, c'est terminé. Après, j'ai d'accord. Les deux, j'ai Thor et Alice. C'est ce que je voulais te dire. Champ contre champ. Et Stein. Et le gros plan de Stein. Bon, tout en tout, on passe en tout fait une fois sur en le fait gros tout, plan oui. De Stein. Voilà. D'accord. Il y a quand même un problème. Mais. Marguerite. On va jusqu'où? On va jusqu'à. Voici Stein. Ah oui. Regarde conflit. Ah bon. Tu peux rien faire pour tes cheveux, toi. C'est plus tard, non, on verra je viens ça. Plus tard. Ton champ contre champ. Voici Stein, c'est la direction de... Je t'ai si indiqué. Si tu passes toi-même, change à qui la main dans tes cheveux, c'est mieux. Moteur. Ne t'inquiète pas. Quelque chose est arrivé, on ne sait pas. Je ne sais pas. Que je peux comprendre? Oui. Il y a ici quelque chose qui me trouble et qui me retient. Je reconnais mal ce qui m'arrive. Je ne cherche pas à comprendre, tu vois, je ne cherche pas. Il s'agit peut-être d'un désir ancien, d'un rêve d'enfance. Écrire peut-être. Je commence un livre chaque nuit. Je n'écris pas. Coupé. Clap de fin. Quand il arrive. Ah, c'est quelque chose. 25, 4, 5, 5, 5. Pour moi, elle est bonne. Oui, c'est quelque chose de dingue. Nous qui faisons les premières prises. Pour moi, elle est très bonne. Ouf! Attention, vous laissez. Attention, vous laissez. C'est comme ça. Si tu veux bien tenir, nous allons. Voilà. Ce qui veut dire pour toi, quand même. Elle est très très bonne. La première est très très bonne. De toute façon, elle n'est pas synchronisée. Comme toujours ce que nous faisons, la première. Après, ça y est. Oui. La carme a recommencé. Alors, est-ce notre accoutumance? C'est possible. Mais moi, si on me donne un choix dans l'absolu, je prends la première. Ah ben non. Non, je préfère pas, non. Non, non. Bon, voilà, je préfère en faire une. Il y a ici quelque chose qui me trouble et qui me retient. Je reconnais mal ce qui m'arrive. Je ne cherche pas à comprendre, tu vois, je ne cherche pas. Il s'agit peut-être d'un désir ancien, d'un rêve d'enfance. Écrire peut-être. Je commence un livre chaque nuit. Je n'écris pas. Alissa, il vous attendait. Il comptait les jours. Il revoyait mal votre visage.
Qu'était devenue Alissa? Où était-elle? Elle était encore dans la chambre. C'est ce que je sais. Et dans le parc, déjà? Vous étiez déjà dans le parc. Ce n'est pas la peine de souffrir, Alissa. Jamais plus. Personne. Ce n'est pas la peine. C'est dans le parc que dort Stein. Dans différents endroits du parc. Comme je te désire. Comme il vous désire. Comme il vous aime. Qui est dans ce livre? Max Starr. Que fait-il? Rien. Quelqu'un regarde. Quoi? Les tennis. Une femme? Oui. Distraite. Par quoi? Le néant. Qui la regarde? Stein. Max Starr décrit ce que Stein regarde. Par exemple, cette femme? Par exemple, oui. J'avais un script qui s'est... Un script qui s'appelait La Chaise Longue, il y avait trois personnages. Thor, Alissa et Elisabeth Allion. J'ai voulu en faire un roman. Et pendant un an, j'ai cherché comment, et au bout d'un an, le personnage m'est venu, le personnage de Stein. Quand j'ai eu trouvé Stein, j'ai écrit le livre très vite, en quelques jours. C'était décisif du passage d'un état à l'autre, si tu veux. Je pense que maintenant, après Stein, plus jamais, rien de ce que j'écrirai ne ressemblera à ce que j'ai écrit. Pour moi, c'est le changement même. C'est le changement le plus profond. Tu le sens aussi, hein? Oui. Mais si Stein avait une occupation dans l'existence, laquelle serait-elle? Il ne fait rien. Mais de quoi vit-il? C'est pas qui est Stein. On m'a dit que c'était un mutant. Je crois aussi. Qu'est-ce qu'on entend par mutant? Personnage de l'avenir, en mutation. Tu es Stein au début, tu le restes jusqu'au bout. Tu es le seul qui ne change pas. Tu es dans l'état de Stein. Je ne sais pas si tu existes. Moi, je crois que c'est... un type d'homme de l'avenir et que la difficulté consiste à jouer un personnage de l'avenir dans le présent. Oui. Tu n'as jamais de conversation privée, strictement parlé. Tu aimes Alissa, pourtant. Je crois qu'il aime... Oui, il aime Alissa, mais il aime tout le monde. Tu reconnais Alissa, non? Comme faisant partie de toi-même. Oui. Tu la rends à tort. Tu la rends à tous. Hein, à la fin. Tu ne la gardes pas. Non. Tu la rends. C'est la fin du moi, du tien, du mien. Mais le soi étant gardé. Complètement. C'est une chose qu'ils disent d'ailleurs, mes personnages, sur cette pelouse, un soir. Détruire le moi, détruire le tien, le mien. Et je parle souvent de la destruction capitale, c'est ça. C'est cette destruction-là. Stein est un homme qui a perdu son moi. Quand il dit de Nicole Hiss, enfin du personnage incarné par Nicole Hiss, quand il lui dit comme il vous aime, comme il vous désire, en parlant de son mari, c'est comme s'il disait comme je vous aime et comme je vous désire. C'est exactement équivalent. Je ne peux pas trouver de meilleure définition de Stein. C'est celle-là.
Tu vois, Sonstein, bon, nous sommes dans une situation psychologique que tout le monde peut reconnaître. Et avec Stein, on ne reconnaît plus rien. Je ne reconnais plus rien. Tu es d'accord? Oui. Il y a un saut. On fait un saut. Et on tombe dans une région que je ne connais pas. Donc je n'ai pas pu te la décrire puisque je ne la connais pas. Tu as dû la trouver tout seul. Et c'était déjà une région dans laquelle tu étais un peu avec la menthe anglaise. Cette région neutre, effacée. Comme une sorte de région intermédiaire, tu vois, entre le présent et un avenir lointain. Je n'ai pas encore d'enfant, je suis mariée depuis peu de temps. Oh, vous avez bien le temps. Votre mari n'est pas là? Si. Un homme seul, sa table est la dernière de la terrasse. Qui porte des lunettes? C'est ça, oui. Mais il y a longtemps qu'il est là, non? Il a dû arriver quelques jours après vous. Il n'a pas l'air un peu triste? Quand il se tait, oui. C'est un juif. Reconnaissez-vous les juifs? Oh, moi, pas très bien. Mon mari, lui, immédiatement, même quand... Oui. Nicolas n'aime pas poser de questions. Elle ne m'a jamais posé une seule question. Et je n'ai jamais pu une seule fois penser à une autre, Alissa. Donc, il est dans la nature d'Alissa de ne poser aucune question. Ce qui l'arrange très bien. C'est une sorte de hippie, comme vous voyez. Elle n'a aucune question à me poser. Elle est la compagne de Stein. Mutant. Hippie. Elle est toujours comme ça, en noir. Ils sont tous en noir, d'ailleurs. Les femmes sont en noir. Comme d'une sorte de deuil de je ne sais quoi. Du monde à venir, peut-être. Pas du passé, non. Elle est en blanc quand elle arrive, puis elle s'aligne. Elle est en noir, comme Elisabeth Allion. Puis elle se coupe les cheveux. Quand elle arrive, elle a les cheveux jusque-là, puis maintenant elle a les cheveux jusque-là. Il n'y a rien à dire d'Alissa. Quand Stein demande à Thor quel âge a Alissa, il dit 18 ans. Quel âge avait-elle lorsque vous l'avez connue? Il dit 18 ans. Elle aura toujours 18 ans. Il y a des jours que je vous regarde. Je crois que c'était dans le parc, en effet. Je reste devant elle. Je la regarde. Qu'est-ce qui est possible? Le désir. Stein, il ne comprend pas encore. C'est pareil. L'amour, le désir. C'est vrai. C'est devenu pareil. Stein lui dit, votre désir... ou votre amour. C'est pareil. La destruction de la société, de classe, ou de l'être de classe. On n'emploie jamais ces termes et je trouve ça dommage. Par l'amour ou la mort est ici évoqué. Le désir étant ici l'équivalent de l'amour. L'esprit et la matière ne faisant qu'un. On est hors du mode préférentiel du sentiment. On aime ce avec quoi on s'unit dans l'amour. On dit « je vous aime » à qui est là, à vos côtés, dans l'accouplement du corps.
J'ai interviewé des prostituées. Et je sais qu'on leur dit, je vous aime. C'est là la puissance du mot. Parce qu'on dit, je vous aime à l'amour, on ne dit pas, je vous aime à quelqu'un. Cette notion unitaire de l'amour et du désir, c'est-à-dire cet abandon total du mode préférentiel dont je vous parlais, n'est-ce pas ? Je t'aime toi plutôt que l'autre. Elle est dans tout le livre. Elle vaut pour tout le livre, tout le film. Nous ne sommes pas dans une orthodoxie quelconque. Je lis mes propres indications. Nous tenons plutôt dans cette disponibilité marginale de l'être humain, cette disponibilité à aimer tout le monde et chacun en même temps. Cette disponibilité qui ira dans l'avenir, à mon avis, en s'agrandissant toujours. C'est là la forme de mon optimisme politique. Bien. Tu fais là où tu es. On essaye. On tourne pas. Hein. On voit son micro gros comme une maison. J'avance. Je descends. Je fais un mix sur son gars. Ouais. Je descends en traveling. Avec elle. Avec elle. Ouais. Ce qui est beaucoup plus joli ouais. que de venir après. C'est-à-dire que je l'accompagne dans un mouvement de traveling pour les retrouver tous les deux en place. Ouais. Je voulais savoir quels étaient ces livres que vous ne lisiez pas. Je venais pour le prendre. Je n'aime pas lire. Pourquoi faire semblant, vous aussi? Personne ne lit. Quand on est seul, pour avoir une contenance? Je ne savais pas. Ils ne reviennent pas? Ils viennent de partir, ils ne doivent pas être loin. Dans la forêt. Oui. Ce livre, vous le voulez? Je vous le donne. Non. Il faut le jeter. Il faut jeter les livres. Si vous avez le Negresco et la plage, le Negresco plein et la plage pleine de campeurs, il y a trois solutions possibles. Ou bien on chasse les campeurs, ou on chasse les gens du Negresco. Ou bien on met les gens du Negresco sur la plage et les campeurs dans le Negresco. Ou on rase. On rase tout, on met tout le monde sur la plage. C'est ce que je voudrais. Tout le monde sur la plage. On casse tout et on recommence. C'est en somme l'histoire de détruire. Comme vous êtes jeune. Nous nous ressemblons. Vous ne trouvez pas? Nous sommes de la même taille. C'est vrai, oui. Les yeux. Nous avons les mêmes yeux. Peut-être. Regardez. Vos cheveux. Pourquoi les avoir coupés? Je ne sais pas pourquoi. Tes cheveux si beaux. Je sais que c'est pour moi que vous les avez coupés. Nous nous ressemblons tellement. Comme c'est étrange. Vous êtes plus intelligente que moi. Pas en ce moment. Je vous aime et je vous désire. Elle est d'une très grande pureté, à mon avis, Elisabeth Allion. Rien n'a été abîmé, simplement tout dort, tout est enfoui. Rien n'a été vécu, voilà, exactement.
Alors, elle a eu un accouchement qui s'est mal passé. Le bébé est mort. Peu avant l'accouchement, elle a aimé un jeune docteur qui venait la soigner. Le bébé étant mort, elle a chassé ce jeune docteur. Le transfert est clair. Enfin. Pour Elisabeth, même si la chose n'est pas dite, bien sûr, et vécue d'une façon très opaque, le bébé est mort parce qu'elle a aimé le jeune docteur. Nous sommes en plein dans la culpabilité chrétienne. Mais elle ne sait pas vraiment elle-même qu'elle a aimé ce jeune docteur. Ah oui, non, tout ça est dans l'obscurité totale. Mm-hmm. Oui. Je me souviens que vous m'aviez parlé d'un manque à aimer, comme on dit un manque à gagner. Donc c'est grâce à mesure qu'on vous détruit, qu'on détruit Elisabeth Allion de Grenoble, on retrouve Elisabeth Villeneuve, 18 ans, celle qui va être attirée par Max Thor et celle qui sera refusée par Max Thor. Il faut prendre la situation à sa base. Ta femme est là, elle se soigne, tu viens la chercher. Pendant qu'elle était dans cet hôtel, elle a connu des gens. Et le jour de son départ, ces gens l'invitent à déjeuner. Hein, vous déjeunez ensemble. Et c'est tout. Et c'est l'espace de ce déjeuner que tu as défini, que ta classe est définie. Ton pluriel, tu n'es pas, c'est pas univoque. Tu comprends cette histoire? Tu es tout le monde. Avant tout, tu es tout le monde. Moi, je voudrais qu'il soit très gentil, tu vois, qu'il y ait... Ouais. Qu'il puisse être transformable, enfin, là, qu'on puisse à la rigueur penser que peut-être plus tard, qu'il puisse... À la 4. Oui. Ouais. Oui, enfin, il a quelque chose de très touchant, quoi. Mais en un quart d'heure, tu fais un pas de 100 ans. C'est ça. Oui. C'est qu'il est frais, d'ailleurs. Il se passe un siècle. Et tu n'as pas de relation personnelle avec les autres. C'est un bloc. Stein, Thor. Oui, ce sont des personnages d'une autre planète, absolument. Oui. Quoi. Quand l'ennui prend une certaine forme. Oui. Vous alliez dire une chose intéressante, là. Quelle forme, en l'occurrence? Celle d'un horaire, par exemple. Il n'est pas perçu. S'il n'est pas perçu, pas nommé, il peut prendre des voies inattendues. C'est pas bête ce que vous dites là. Mais quelle voix, par exemple? C'est complètement imprévisible. Complètement. Qu'allez-vous devenir? Pardon? Mais qui êtes-vous? Des Juifs. Des Juifs allemands. Ah oui, vous m'en faites pas du tout ce que je... Enfin, la question n'est pas là. Vous vous trompez. Elle était là. Que se passe-t-il? Nous sommes tous dans cet état. Tous les quatre. Elle est allée vomir. Eh bien, il n'y a que moi qui aille bien ici, en somme. Continuez. Ça ne fait rien. Ah, j'espère qu'elle a trouvé la meilleure forme. Elle a encore besoin de se reposer. Elle vous en a parlé sans doute, cet accident idiot. C'est vrai que pour Elisa, c'était plus moral qu'autre chose. C'est pas, les femmes ressentent ces choses-là comme des échecs. Nous ne pouvons pas tout à fait comprendre. Nous autres hommes, n'est-ce pas? Ben, il est temps de filer. Je vais aller la chercher. Le temps de descendre les bagages, de payer l'hôtel. Où allez-vous en vacances? À Le 4. Et vous ne connaissez sans doute pas. Oui, ça m'intéresse beaucoup, moi, l'aménagement du Languedoc. Je suis pas du tout comme ma femme, c'est moi en vacances, moi je tiens pas en place. Le 4. Oui. Le 4. Le 4. Le 4. Oui. Dites-moi, vous l'avez vu plus que moi ces derniers temps, qu'est-ce qui... La peur.
Ce sera terrible. Ce sera épouvantable. Et déjà, elle, elle le sait un peu. Et de qui parlez-vous, là? D'elle, de vous, de tous, de votre destruction. J'ai pas compris. Vous êtes malade. Voilà. Pendant le dîner, vous dites à la fois partons d'ici, il faut partir d'ici. Vous êtes dans l'angoisse à cause de Bernard Allion, de votre mari. Et dans le même temps, vous êtes tout à fait avec les autres. Quand ils disent qu'ils sont des juifs allemands, vous êtes avec eux. Quand ils vous demandent si vous avez vomi, vous dites oui. Quand ils vous demandent comment c'était, vous dites agréable. Vous ne savez pas que vous vomissez votre vie. C'est-à-dire, dans le même temps, vous êtes avec eux et contre eux. Mm-hmm. Si vous voulez, ce mouvement-là, contre et pour, définit Elisabeth Allion complètement à mes yeux. Nous sommes tous des juifs allemands, il faut l'entendre par « nous sommes tous des étrangers à votre société, à vos combines, à vos différences. » Il s'agit de la séquence 14, c'est-à-dire de la fin du film. Les Allion, Elisabeth Allion et son mari sont partis. Et nous sommes là dans une complète irréalité. L'hôtel est vide, l'espace sonore est élargi au maximum. Tout est ouvert, vide, tout communique. On est dans une sorte d'espace hybride, si vous voulez. Prêt à recevoir la musique. La dernière séquence du film est conçue de telle façon que la musique l'a rempli. Il s'est posé avant tout un problème d'espace sonore. Peut-être aurait-il fallu laisser cette chose-là dans l'ombre. Elisabeth Allion. Elle ou une autre, il n'y aurait pas eu de différence. Qu'est-ce qui aurait été possible? Votre amour ou la mort par Alissa? Qu'est-ce qui sera possible? Une solution d'ordre général. Serait-elle allée dans la forêt avec Alissa? Oui. Elle est à celui qui la veut. Elle éprouve ce que l'autre éprouve. Quelques jours de plus auraient été nécessaires pour qu'elle se soumette au désir d'Alissa. Ce désir était fort. Il n'était pas clair. Non. Alissa l'aurait su une fois dans la forêt. Regardez, Stein, le ciel. Regardez. Quel âge a Alissa? 18 ans. Et lorsque vous l'avez connue? 18 ans.